Salut à tous, c'est Dueling Gentleman et bienvenue dans cette analyse du premier épisode de la 8e et dernière saison de Game of Thrones. Alors, je sais que le deuxième épisode est déjà sorti et que donc cette vidéo est un peu... elle arrive un peu tard. Donc, je vais essayer de me concentrer uniquement sur l'analyse pure de l'épisode 1 et pas commencer à partir en théorie et tout, parce que ça sert à rien de faire des théories alors que vous avez déjà vu l'épisode suivant. Moi, il est déjà dans mon ordi, mais je ne l'ai pas encore regardé, pour éviter de parler de l'épisode 2 dans la vidéo de l'épisode 1. Et d'ailleurs, je vous saurais gré de faire pareil dans les commentaires et de vraiment parler que des événements de la saison, enfin, de l'épisode 1 dans les commentaires de cette vidéo, et de parler de l'épisode 2 quand je sortirai une vidéo d'analyse de l'épisode 2. Yes, j'étais pas là en fait, j'étais en vacances pendant la sortie du premier épisode, donc j'ai pas pu faire de réaction rapide. Je sais pas si vous entendez l'hélicoptère qui est là, mais il fait un boucan d'enfer. J'espère que ça s'entendra pas dans la vidéo finale. Donc là, vu qu'il y a des travaux un peu chez moi, je me suis isolé dans la forêt. Ma caméra a 1h30 de batterie, donc la vidéo fera moins d'1h30, ça c'est sûr. Et on va parler donc de ce premier épisode, après donc 2 ans où il s'est rien passé. 2 ans d'hiatus, comme on dit. C'était pas plus mal d'ailleurs, parce que la qualité d'écriture des saisons précédentes avait quand même tendance à décliner de saison en saison. Et il était temps qu'ils prennent une année sabbatique pour bien se ressourcer. Je parle de David Benioff et Daniel Weiss, qui sont donc les showrunners de la série. Donc j'étais à la fois satisfait qu'ils aient pris cette année sabbatique. Ils ont bossé quand même. C'est pas une année sabbatique, c'est une année pendant laquelle ils ont rien sorti à la télé, mais sur laquelle ils ont bossé sur la dernière saison. Donc j'étais content qu'il se soit donné une année supplémentaire. Du coup, j'avais quand même des attentes en termes de qualité qui étaient plus élevées que la saison 7, par exemple. Mais j'étais quand même relativement inquiet parce que la baisse de qualité qu'il y a eu à partir de la saison 5, elle vient pas que du manque de temps, elle vient aussi du manque de talent de David Benioff, principalement. Hein, Daniel Weiss, c'est plutôt un suiveur, c'est surtout David Benioff qui porte la culotte. Et David Benioff, il n'a pas de talent, et enfin très peu. C'est lui qui a écrit X-Men Origins Wolverine, qui est un bon gros film de merde. Ce mec, il a pas de talent, je suis désolé. Du coup, les premières saisons, il s'en sortait bien, parce que c'est pas lui qui écrivait le scénario, en fait. Il adaptait juste le scénario qu'avait écrit George R. R. Martin dans ses livres. Donc, puis il était guidé, parce que George R. R. Martin était quand même encore conseiller exécutif dans la série. Donc, il était encore à peu près guidé, mais depuis qu'ils ont dépassé les livres et depuis que George R. R. Martin a quitté la série, c'est un peu parti en cacahuète, pour le dire poliment. Donc, j'avais quelques attentes quand même pour cette saison 8, que ce soit pas complètement de la merde, mais je m'attendais pas non plus à ce que ce soit un chef-d'œuvre. Je ne m'attends plus à ce que Game of Thrones soit un chef-d'œuvre. Et c'est à peu près ce que j'ai eu d'ailleurs dans cet épisode 1 de la saison 8. C'était pas mal. Il y a quelques trucs qui sont nuls à chier. Il y a quelques trucs qui... Oula, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Putain, il y a des insectes qui volent dans cette forêt. Des trucs d'une envergure. Du coup, j'ai perdu ma phrase. Oui, je disais, il y avait des trucs qui étaient nuls à chier et des trucs qui étaient mieux. Il y a des bonnes idées dans ce dernier épisode. Donc, je ne sais pas si elles viennent de David Benioff lui-même. Ça me semble quand même étonnant qu'il ait eu des idées aussi bonnes. On va détailler après. C'est peut-être George R. R. Martin qui leur a filé quand même la fin qu'il voulait pour la série, en disant, voilà, tel personnage à la fin il finit sur le trône, tel personnage fait ça, tel personnage il meurt, ça c'est un écho à des choses que j'ai mis en place dans les saisons précédentes, donc il faut vraiment que vous le mettiez dans la dernière saison. Il aura quand même filé, voilà, quelques post-it avec des notes d'intention avant de partir, avant de quitter la série à la fin de la saison 5. Parce que maintenant, il dit plus rien, quoi. Il aide plus les gens. Il a même dit que la série télé Game of Thrones, c'était du fan service.
Non, pas du fanservice, pardon, une fanfiction. Et George R. R. Martin déteste les fanfictions. C'est un truc... Il a déjà dit plusieurs fois publiquement qu'il n'aimait pas l'idée même des fanfictions. Créez vos propres univers, créez vos propres personnages, faites vos propres histoires, voilà. Ne réutilisez pas les idées des autres, c'est vraiment pas son délire, quoi. Donc s'il va jusqu'à qualifier la série télé de fanfiction, c'est que vraiment, lui ne se reconnaît plus dans ce qui est devenu la série télé. Donc voilà, il y a quelques notes sûrement encore sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour terminer le truc, pas forcément en beauté, mais voilà, ils ont déjà, même Benioff et Weiss, ils ont déjà commencé à dire sur les réseaux sociaux qu'une fois que le dernier épisode serait diffusé, ils coupaient internet, ils allaient en vacances dans un endroit où il n'y a pas de réseau pour vraiment ne rien entendre de la communauté. Soit ils ont fait un shader, ce dont je les crois absolument incapables, soit ça va être pas très bien. Je ne sais pas. On verra. On verra bien. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'épisode 1. Alors, du coup, j'ai ramené mon ordinateur avec moi dans la forêt. C'est d'ailleurs assez gênant. du coup, je vais passer un peu l'épisode devant mes yeux. Je fais pas de section réaction parce qu'en fait, je réagis pas quand il se passe des choses à l'écran. J'ai d'autres tensions, donc le temps que quelque chose se produise, une fois que quelque chose se produit, le temps que j'y réagisse, la scène suivante est déjà terminée. Donc, les parties réactions de mes vidéos ne servent à rien, donc j'ai décidé de les enlever purement et simplement. Ça ira plus vite. Allons-y, donc, il commence par un récapitulatif de ce qui s'est passé dans les saisons précédentes, c'est une bonne idée. Dans la saison 7 et je ne sais plus quelle autre saison, ils avaient fait ce qu'on appelle en anglais un cold opening, et je ne sais pas s'il y a un terme français pour ça. C'est une ouverture froide, quoi, en gros, donc c'est-à-dire une scène de l'épisode qui arrive avant le générique. Et là, on n'a pas eu ça. Il n'y a pas eu de scène d'ouverture froide comme ça. On a un récapitulatif de ce qui s'est passé les saisons précédentes, ce qui est une bonne idée, comme je le répète, puisque ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu d'épisode de Game of Thrones, à moins que vous ayez acheté les DVD et que vous soyez fait une session rattrapage, enfin pas rattrapage, mais où vous ayez revu tous les épisodes depuis le premier de la saison 1 jusqu'au dernier pour être prêt pile à temps pour la diffusion du premier épisode de la saison 8. Voilà, à moins que vous ayez fait ça, vous n'avez pas vu d'épisode de Game of Thrones depuis 2 ans. Donc c'était important de faire un petit récap de ce qui s'était passé dans la saison 7. Et du coup, il n'y a pas eu d'ouverture froide. Et on enchaîne directement avec le générique qui, forcément, n'a plus autant de lieux à visiter parce qu'il n'y a plus que deux lieux et demi intéressants à mettre sur la carte. Il y a Winterfell, il y a Port-Réal, et puis il y a entre Winterfell et le mur. Donc là, ils nous ont montré Atre les confins, probablement pour la dernière fois du générique, ou alors peut-être il sera dans l'épisode 2 aussi, on sait pas trop. Mais ça m'étonnerait qu'il se passe quelque chose à Atre les confins cette saison. Il va y avoir une bataille à Winterfell contre les morts, et puis après l'intrigue, à la fin de l'épisode 3, le roi de la nuit est mort, et des épisodes 4 à 6, après c'est de la politique. Donc on redescend vers Port-Réal pour avoir le trône de fer, et justement c'est ce que montre le générique. Il commence du mur, il descend jusqu'à Winterfell, et puis après de Winterfell jusqu'à Port-Réal, un peu comme si on suivait les marcheurs blancs. C'est une bonne idée. Après, du coup, vu que la musique fait la même longueur, mais qu'il y a moins de lieux à montrer, bah, du coup, on est obligé de montrer tous les lieux qui restent en détail. Donc là, on a carrément une modélisation de la salle du conseil de Winterfell, du donjon rouge de Port-Réal et tout ça. Bon, ça, on s'en fout un peu. Mais on n'allait quand même pas couper la musique du générique pour l'adapter aux 2-3 lieux qui restaient, sinon le générique serait beaucoup trop court. Ils ont changé aussi ce qu'il y a sur les bandeaux autour du soleil, là, pour montrer un peu des événements importants des saisons précédentes, comme le mariage, enfin les noces pourpres. Donc c'est pas mal comme idée.
ça fait bien une célébration de Game of Thrones dans son ensemble. Ensuite, on a l'arrivée de Jon et Daenerys à Winterfell. Alors, ils ont fait tout un parallèle avec l'arrivée de Robert Baratheon et Cersei Lannister à Winterfell dans l'épisode 1 de la saison 1. D'une manière générale, il y a énormément de parallèles et de miroirs entre cet épisode et le premier épisode de la saison 1, notamment des scènes qui sont cadrées pareil, mais à la place de comment elle s'appelle la femme de Ned, Catelyn Stark. À la place de Catelyn Stark, vous avez Sansa, et à la place de Daenerys, à la place de Cersei, vous avez Daenerys, ce qui thématiquement est quand même assez comment dire, c'est pas très flatteur pour Daenerys, surtout que c'est Sansa qui a plus appris de Cersei que Daenerys, donc normalement les rôles devraient être inversés. Enfin bref, mais du coup c'est pour montrer que Sansa est maintenant la digne fille de sa mère, c'est maintenant elle la lady de Winterfell. Donc il y a plein de parallèles comme ça, je vais pas tous les noter parce que c'est un peu chiant, c'est marrant à voir sur le coup quand tu regardes l'épisode, mais après en parler pendant des plombes derrière c'est pas très intéressant. Donc ils évitent beaucoup de réunions de personnages. Ils ont essayé quand même de distiller toutes les réunions parce qu'il y en a énormément. Tous les personnages importants, sauf Cersei et Euron, sont à Winterfell. Enfin, convergent vers Winterfell. S'ils y sont pas, ils y vont. Donc du coup, il y a énormément de retrouvailles importantes qu'il faut traiter. Et donc ils les ont distillées comme ça tout au long de l'épisode. Alors que dans un épisode d'une saison précédente de Game of Thrones, la retrouvaille entre Jon et Arya, ça serait le point d'orgue de l'épisode complet. Ici, ça a juste été traité comme ça, pif pouf, balayette, c'est fini. Ils s'y sont pas vraiment attardés, ils ont pas donné toute la gravité de la scène dans le truc, c'était pas aussi grandiose que ça pouvait l'être, parce qu'on avait 15 000 trucs à mettre aussi dans l'épisode. Donc là c'est le début des premières retrouvailles. On a donc les retrouvailles entre Bran et Jon. Jon qui, d'une manière générale, hein, il va faire pareil avec Arya, donc je vais le dire maintenant avec Bran, comme ça ce sera fait. Jon voit encore Bran et Arya comme les enfants qu'ils étaient quand ils se sont séparés. D'une certaine manière, il fait ça aussi avec Sansa. Maintenant, il le fait moins parce qu'il a passé plus d'une saison avec elle. Il a réussi à s'habituer un peu au fait que sa sœur avait grandi et était devenue une politicienne compétente. Même si, bon... Il n'a pas l'air encore très sûr, mais vraiment, il va. On voit qu'il dit « Oh là là, Bran, t'as grandi !» Et Bran lui dit pas « Bah écoute mec, je suis devenu la corneille à trois yeux, j'ai des pouvoirs super magiques et tout. » Il se fait chier, il dit « Ouais, enfin, je suis devenu un peu plus qu'un adulte quand même. Vas-y, casse-toi. » Et Arya, c'est pareil, elle va un peu lui cacher ce qu'elle est devenue. Je pense qu'ils essayent tous les deux d'entretenir un peu cette image bienveillante de grand frère que Jon a par rapport à eux, parce que si Arya commence à lui dire « Bah écoute, j'ai un peu étripé des gens, j'ai appris à devenir un assassin qui peut changer de visage à volonté, et toi ça va ?» Forcément, c'est plus la même ambiance qui va régner entre eux, quoi. Donc ils ont tous les deux décidé de laisser Jon penser ce qu'il voulait d'eux. Et du coup, Jon risque de tomber un peu de haut. Alors Bran, maintenant, il l'a vu utiliser ses pouvoirs dans cet épisode. Il a pas l'air plus surpris que ça. C'est quand même assez étonnant. Peut-être Sansa lui a décrit un peu le truc en détail par Corbeau avant qu'il arrive. Parce que c'est pareil, il demande pas où se trouve Littlefinger. Donc il doit être au courant de ce qui s'est passé à Winterfell en son absence. Et c'est pour ça qu'il n'est pas si surpris que ça de voir Bran utiliser ses pouvoirs. On sait qu'il sait que Bran est vivant. Donc peut-être que dans sa lettre, Sansa a détaillé un peu, elle a dû lui dire il a des pouvoirs surnaturels, machin. Mais par contre, c'est Arya qui risque de le surprendre un petit peu plus. Arya lui a demandé « Ah, est-ce que tu as dû te servir d'aiguille ?»« Ouais, une fois ou deux. » Alors, ce qui n'est pas totalement faux, hein, d'ailleurs, si on compte le nombre de fois où Arya s'est servie d'aiguille, spécifiquement aiguille comme arme pour tuer quelqu'un, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a le garçon de ferme dans la saison 1, là, quand elle quitte Port-Réal pour échapper aux gardes de Cersei. Après, elle se fait piquer aiguille relativement vite par...
par des soldats Lannister. Elle la retrouve, elle retrouve Aiguille dans la saison 4, donc en attendant, elle a tué personne avec. Elle bute le mec qui lui avait volé Aiguille. Je sais plus si elle tue quelqu'un d'autre dans la saison avec, avant d'aller à Braavos. Et puis une fois à Braavos, elle s'en sert plus, puisqu'elle doit enterrer Aiguille pour renoncer à ce qu'elle est. Et puis pendant deux saisons, elle s'en sert pas. Et à la fin, elle tue la meuf désagréable là avec, avec Aiguille. Donc moi, de ce que je me souviens, elle a fait trois meurtres avec. Elle a dit une ou deux fois. Bon bah entre une ou deux et trois, il n'y a pas tant de différence que ça. Hein. Après, le plus important, c'est ce qu'elle a, le nombre de fois où elle a dû se servir d'une autre arme pour tuer quelqu'un. La dague en acier valérien qu'elle a eue dans la saison précédente, la tourte, parce qu'elle a tué toute la famille Frey avec juste une tourte, ou deux. Bon, voilà. Il y a toutes ces armes un peu originales qu'elle a utilisées pour buter des gens. Mais finalement, quand elle dit « je me suis servi d'aiguille une fois ou deux », c'est pas totalement un mensonge. C'est assez marrant. Mais ce qui est surtout intéressant avec Arya dans cet épisode et qui me fait l'apprécier un petit peu plus, pour ceux qui n'ont pas regardé mes analyses des saisons précédentes, je déteste ce qui est devenu Arya. Au fur et à mesure des saisons, elle est devenue l'un de des personnages que je déteste le plus parce qu'elle a droit à tout sans aucune contrepartie suffisamment négative. Les autres, ils doivent faire des sacrifices pour avoir des trucs trop cool et elle, non. Moins. C'est pas grave. À un moment donné, on lui a enlevé la vue, mais on lui a rendu au bout d'un moment, donc ça compte pas. Franchement, c'est elle qui a une des storylines les plus confortables, hein, quand même, comparé aux autres. Et en plus, surtout, comment dire, elle était censée renoncer à la personne qu'elle était pour devenir une sans-visage. Entre guillemets, Arya devait mourir pour devenir une sans-visage. Sous-entendu, la personnalité d'Arya Stark, hein, elle devait vraiment devenir personne. Et finalement, elle a eu tous les bénéfices, c'est-à-dire qu'elle a eu l'entraînement des sans-visages. Et aussi, elle garde le droit de rester Arya Stark de Winterfell. Donc, normalement, puisque Arya Stark de Winterfell n'est pas morte... Pour compléter son entraînement. Soit son entraînement n'est pas fini, soit elle va être poursuivie par Jaqen pendant cette saison et mourir. Enfin, il va la buter parce qu'elle n'a pas payé le tribut qu'elle aurait dû payer. Or, pour l'instant, la série ne montre pas qu'elle a envie d'aller dans une ou autre de ces directions. Donc, ça veut dire qu'en fait, Arya va s'en sortir sans problème, quoi. Donc rien que pour ça, j'ai envie qu'elle meure. Et plus elle fait des trucs et plus elle m'énerve. Et là, elle a fait un truc qui m'a quand même, qui l'a quand même fait remonter dans mon estime. C'est qu'elle a défendu Sansa quand Jon essayait un peu de casser du sucre sur son dos en son absence. Parce que quand ils étaient petits, ils faisaient ça. Jon et Arya, ils se moquaient de Sansa dans son dos. Donc pour se rappeler le bon vieux temps, Jon, il refait un peu la même chose. Et là, immédiatement, t'as Arya qui fait stop et qui lui dit « Non, attends, tu vas te calmer tout de suite. Sansa, c'est une des personnes les plus intelligentes que je connaisse dans ma vie. » Ce qui est peut-être un peu une exagération, parce qu'elle a quand même croisé Tywin Lannister dans sa vie, mais on s'en fout. L'important, c'est l'intention. Elle veut défendre sa sœur à tout prix. Et puis après, elle lui fait un câlin en disant « Le plus important, c'est la famille. »« Le plus important, c'est la famille. Surtout, n'oublie pas ça. » Donc, il y a vraiment maintenant un sentiment de sororité entre les deux sœurs, oui, c'est évident. La sororité, c'est la fraternité, mais entre sœurs, hein, pour ceux qui ne savent pas. Il y a un sentiment voilà, de sororité vraiment très fort entre les deux. Sansa soutient Arya jusqu'au bout maintenant, et Arya soutient Sansa jusqu'au bout maintenant, parce que quand l'hiver arrive, le loup solitaire meurt, mais la meute survit. Donc, il faut qu'il se comporte en meute. Et c'est ça qu'elle rappelle aussi à Jon. C'était, nous, on sait que c'est une menace, parce qu'on sait que Arya, elle est dangereuse. Jon, il l'a peut-être pas compris comme ça, parce qu'il sait pas que Arya, c'est devenu un assassin, mais
quand elle dit le plus important c'est la famille, surtout n'oublie pas ça, c'est sous-entendu, s'il y a besoin, je te le rappellerai de manière douloureuse, voire même je te bute. Alors après on peut parler de l'accueil glacial qu'a reçu Daenerys en arrivant au nord, qui est tout à fait légitime, hein, parce que je vois, j'entends beaucoup, j'ai lu sur internet des gens qui étaient un peu exaspérés du comportement des nordistes et surtout de Sansa à l'égard de Daenerys, en disant mais quand même pourquoi ils se plaignent, elle amène des soldats, elle amène une armée dans le nord pour les aider. Mais ta gueule, l'hélicoptère, putain, pose-toi, je sais pas, qu'est-ce que tu fous, là ? Elle amène une armée dans le nord pour les protéger. Ils devraient tous être contents et lui baiser les pieds, parce que si elle avait pas fait ça, ils seraient tous morts. Pourquoi est-ce qu'il la regarde de travers ? Pourquoi est-ce qu'il la déteste ? Tout simplement parce que ça fait maintenant 4 saisons que les habitants de Winterfell se font un peu enculer de tous les côtés, hein. Leur roi, leur premier roi, c'est même ça fait 7 saisons qu'ils se font un peu enculer par le scénario. Ned Stark, il a quitté Winterfell, il est mort. Après, ils ont nommé Robb Stark roi du Nord, il est parti vers le Sud, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a les Bolton qui sont arrivés, qui ont saccagé Winterfell et qui les ont colonisés pendant 2-3 saisons. Ça a résulté en une bataille qui a fait des centaines et probablement même des milliers de morts. Ils ont été affamés, ils ont été battus, ils ont été... C'est vraiment des victimes des familles extérieures. Quand les Stark s'en vont de Winterfell, il leur arrive malheur, et quand une famille qui n'est pas la famille Stark arrive à Winterfell, c'est aussi le bordel. Enfin, quand c'est une famille qui n'est pas une famille du Nord, parce que ça pourrait être les Glover ou les Manderly ou les je sais pas quoi là, ou les Karstark, ça irait encore, mais si c'est une famille qui n'est pas une famille du Nord, pour l'instant, ça ne leur apportait que du malheur. Donc là, ils voient arriver quelqu'un qui a en plus un potentiel de destruction assez énorme, qui va certes les aider à se débarrasser des dragons, à se débarrasser des marcheurs blancs, mais après, une fois que les marcheurs blancs seront morts, le jeu des trônes va reprendre, si tu veux. Et là, il va y avoir une rivalité entre les Stark et les Targaryens, et les Targaryens, ils ont quand même une grosse armée, et puis ils ont des dragons, quoi. Donc, oui. Bon, et puis il y a aussi un petit peu de racisme, forcément, hein, c'est ça qu'on voit quand il y a Missandei et Vergris qui arrivent et qui se font regarder un peu en travers, c'est « Oula, toi... Daenerys, on sait qu'elle est clairement pas du Nord, mais toi, même si on le savait pas, on pourrait s'en rendre compte, quoi. » Donc oui, les nordistes sont maintenant regroupés de manière assez clanique. Il y a un rejet un peu de tout ce qui n'est pas le Nord, qui a toujours été présent d'ailleurs dans la série. Hein. C'est pour ça qu'ils ont nommé Robb Stark roi du Nord. Ils ne l'ont pas nommé chef de Winterfell ou quoi que ce soit. Ils l'ont nommé roi du Nord. Sous-entendu, la région du Nord se détache de la couronne de Port-Réal. Maintenant, c'est plus les 7 couronnes, c'est les 6 couronnes plus le Nord. Il y avait vraiment une histoire d'indépendance comme ça. Il y a toujours eu ce sentiment d'indépendance par rapport aux autres régions. C'est parce que c'est un peu un repli sur soi stratégique à l'approche de l'hiver, qui est compréhensible. En plus de ça, et là je suis persuadé que c'est une note que George R. R. Martin leur a laissée. L'arrivée finalement de Daenerys avec son armée et ses dragons pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors que instinctivement on pourrait se dire c'est trop bien, elle arrive avec une armée, elle arrive avec des dragons, c'est trop la folie, le Nord est vachement avantagé et tout. Et non, en fait ça crée des conflits internes dans Winterfell, ça crée des problèmes de logistique, hein, c'est ça que Sansa elle dit, mais comment je vais faire pour nourrir tout ça? Alors évidemment les gens, dont le chef Otaku d'ailleurs qui a sorti une vidéo très très mauvaise sur l'analyse du premier épisode de la saison 8, je suis... tout ce qu'il a dit, je pense à peu près l'inverse.
il me semble. J'ai pas le souvenir d'une phrase qu'il a dite avec laquelle j'étais 100% d'accord. Je pense l'inverse de tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. C'est assez dingue. Mais enfin bon, je vais pas le clasher, on s'en fout. Où est-ce que j'en étais du coup? Merde, j'ai perdu le fil de mes pensées. Oui, il y a eu beaucoup de reproches sur l'attitude de Sansa envers Daenerys. Mais notamment quand elle parle de logistique et de comment je vais faire pour nourrir tous ces hommes, tous ces Dothraki, tous ces Immaculés, tous ces dragons, parce que les dragons ça mange énormément. Hein. Là, on a vu Daenerys qui s'inquiète parce que ces dragons ils ont pas mangé beaucoup, alors qu'ils ont mangé je sais plus combien de chèvres et je sais plus combien de moutons, enfin c'est un truc énorme, et elle trouve que c'est pas beaucoup. Pendant l'hiver, parce que l'hiver vient, normalement il n'y a rien qui pousse, donc il faut vraiment gérer les stocks de bouffe, et Sansa a complètement raison de s'en inquiéter, hein. Je vois pas pourquoi tout le monde lui tombe sur la gueule. Une fois que le roi de la nuit, même si le roi de la nuit arrive, il va peut-être faire un siège, il va peut-être y avoir un siège de Winterfell qui va durer des jours, peut-être des mois, et à ce moment-là il faudra survivre. Nous on sait que c'est pas le cas, parce qu'on sait qu'à la fin de l'épisode 3, le roi de la nuit est mort, mais les personnages dans la série ils le savent pas. Donc il faut qu'elle se prépare à cette éventualité. Et puis même une fois que... Enfin, si le roi de la nuit arrive, tu vas pas faire combattre des troupes qui n'ont pas mangé contre le roi de la nuit, parce que sinon ils seront trop faibles, et donc ils vont mourir pour rien. Donc c'est débile. Et en plus de ça, une fois que le roi de la nuit est battu, s'il y a plus de bouffe, eh ben, tu meurs de faim. Et là, t'as l'air vachement malin, quoi. Ouais, super, on a vaincu le pire ennemi de toute l'histoire de Westeros, et on va... mourir de faim comme des merdes, c'est triste. Donc non, il faut effectivement absolument gérer les stocks de bouffe. Plus rien ne va pousser pendant les prochains mois. Et on a vu Sansa se préparer à gérer la bouffe dans les saisons précédentes. Et j'ai même vu des gens qui disaient « Oui, la nourriture, ça a jamais été un problème dans Westeros, personne s'inquiétait jamais des stocks de bouffe. » C'est complètement faux. Bon, déjà, dans les premières saisons, c'était pas important parce que c'était l'été, donc les légumes et tout ça, le blé, ça poussait. Maintenant, c'est l'hiver, donc l'hiver, il n'y a plus rien qui pousse. Donc forcément, la bouffe devient un problème beaucoup plus important. Et puis même l'été, quand vous aviez Stannis Baratheon qui était bloqué sur l'île de Père Dragon là, pendant des saisons et des saisons entières, et qu'il disait qu'il était obligé de manger des rats et du poisson pêché autour de l'île depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines, on montrait vraiment qu'il y avait un problème au niveau de la bouffe, que ces hommes mouraient de faim, que c'était vraiment le bordel, quoi. Il avait préparé ses troupes pour la bataille de la Nera à la fin de la saison 2, et il a perdu la bataille de la Nera, donc il a été obligé de se replier sur Winterfell, sur Père Dragon, mais il avait plus de ressources. Et depuis ce moment-là, jusqu'au moment où il est monté au mur, il avait rien à bouffer, et la série le montrait bien. Donc il y a toujours eu un petit peu de trucs, on a régulièrement parlé de la bouffe. Il y a eu aussi le pacte entre les Tyrell et les Lannister, le mariage entre Margaery et Joffrey, puis entre Margaery et Tommen. C'était une alliance entre les Lannister et les Tyrell, justement pour sécuriser une arrivée régulière de nourriture en provenance de, je sais plus comment s'appelle la région dans laquelle vivent les Tyrell, là. Non, ça me revient pas. Mais voilà, il y avait une histoire comme ça de « on vous sponsorise en argent et en bouffe ». Les Tyrell sponsorisaient un peu la couronne, c'est pour ça qu'ils étaient si bien traités. Et c'est pour ça qu'il allait y avoir un mariage royal pour sceller un peu cette alliance. D'ailleurs, en parlant de la bouffe produite par les Tyrell, c'est Daenerys qui l'a brûlé cette bouffe. En brûlant les chariots des Lannister dans la bataille, là, dans l'épisode 4 de la saison précédente. Donc, non seulement Daenerys, elle arrive sans bouffe à Winterfell, parce qu'il y a ça aussi. Une fois que Daenerys est arrivée à Père Dragon, la bouffe, le manque de bouffe à Père Dragon a cessé d'être un problème. Ça, pour le coup, c'est vrai.
les scénaristes ont vachement avantagé Daenerys en ne lui donnant pas un problème de nourriture, parce que c'est quand même une île qui est composée de rochers à 80%. Tu peux pas vraiment faire pousser quoi que ce soit là-dessus. Normalement, elle aurait pas dû être capable de nourrir toutes ses troupes pendant tout le temps qu'elle est restée là-bas. Mais la série n'en a pas parlé. Ça, c'est un défaut des nouveaux scénaristes. Et là, je suis d'accord. Là, la bouffe n'a pas été un problème, mais c'est une erreur de la série. Ça aurait dû. Là, maintenant qu'on recommence à s'en soucier à Winterfell, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, ça me fait rire un peu, cet argument de se dire « Mais ça sert à quoi de se préoccuper des stocks de bouffe alors qu'il y a l'armée des morts qui est aux portes de Winterfell ?» Ça sert à rien d'essayer de pas mourir de faim si c'est pour mourir de la main des marcheurs blancs. Alors que la réponse est évidente, c'est bah ça sert à quoi de se préoccuper uniquement des marcheurs blancs si même si tu les bats, tu finis par mourir de faim comme un con dans ton château. Les deux sont importants. Et Sansa, elle a pas besoin de se préoccuper de la bataille parce que c'est pas une guerrière, c'est pas elle qui a appris à se battre. Elle a appris à gérer la politique, à gérer les affaires courantes. Donc elle gère les affaires courantes. Finalement, chacun est à son poste et tout le monde. De chacun chez soi, les moutons sont bien gardés, finalement. Donc, je sais pas pourquoi tout le monde chiale. Enfin, tout le monde. Non, j'exagère. C'est pas tout le monde. C'est certain. J'en profite, d'ailleurs, pour déplorer le fait que on dit que l'hiver est là, mais on le voit pas vraiment, hein. Je veux dire, il y a des hivers au Canada qui sont beaucoup plus violents que ce qui s'est passé là. Là, il y a Bran qui est resté tout seul dans la cour de Winterfell pendant un épisode entier, sans rentrer au chaud. Avec quelques peaux de bête sur le corps, mais rien de bien épais. Enfin, c'est un peu épais, mais enfin, bon, si c'était vraiment l'hiver, il est censé être mort. Et il est resté là pendant un épisode entier, et il est pas mort de froid, quoi, il a même pas un rhume. Donc, bof. Normalement, maintenant que l'hiver est là, maintenant que les marcheurs blancs descendent vers le sud, qu'on a vu qu'il neigeait à Port-Réal à la fin de la saison précédente, normalement, à Winterfell, ça devrait être... il devrait y avoir de la neige partout, les routes devraient être impraticables, parce que c'était ça aussi le problème. Quand Stannis était au mur et qu'il a dit il faut qu'on reprenne Winterfell le plus vite possible, parce que si on attend encore quelques jours, on risque d'être bloqué par la neige et de plus pouvoir rejoindre Winterfell et de devoir passer tout l'hiver au mur. Et on peut pas. On n'a pas assez de bouffe pour nourrir tout le monde. Encore une fois, cette histoire de bouffe. Et c'est comme ça qu'il est parti vers le nord, vers le sud. Et même là, il a été obligé d'offrir sa fille en sacrifice aux yeux de la lumière pour être sûr que les routes restent praticables jusqu'à Winterfell. Ce qui, au final, ne lui a pas porté chance parce qu'il est mort quand même. Déjà à la fin de la saison 6, c'est ça, hein ? À la fin de la saison 6, l'hiver était déjà un problème pour marcher sur les routes. Et là, plus du tout. Jon et Daenerys, ils sont arrivés comme ça, tranquilles, sans problème. Donc forcément, on a moins l'impression que la bouffe, c'est important, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, une fois que le roi de la nuit sera mort, bah, tout le monde redescendra vers le sud, finalement, puisque les routes sont praticables, alors qu'elles ne devraient pas l'être. C'est devrait être ça, justement, le problème. Mais ça va, c'est assez doux comme hiver encore. Alors que pourtant, normalement, c'est les marcheurs blancs qui sont censés... Il est censé y avoir l'hiver le plus rigoureux autour d'eux, et là ils sont en train de foncer tout droit sur Winterfell. Donc normalement Winterfell devrait être sous la neige, sous la glace même limite, mais non. Et là pour le coup c'est un peu une erreur majeure. Et enfin je sais pas, mais un autre truc que j'ai que je reproche un peu à cet épisode, c'est le traitement de la romance entre Jon et Daenerys. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a des dialogues, putain, mais ils sont similaires à ce que tu pourrais trouver dans l'épisode 2 de Star Wars, là. L'attaque des clones, la romance débile entre Anakin et Padmé, là. Attends, moi j'ai vu l'épisode en VO sous-titré, donc je sais pas exactement ce que c'est la réplique en VF, mais quand ils sont au pied de la cascade, là, et puis qu'il lui dit... ça doit être tout froid le nord pour une fille du sud comme vous, et puis qu'elle lui répond oui, alors assurez-vous de bien garder votre reine au chaud, et puis qu'ils se font un gros câlin et des bisous là, mais c'est ah
Mais non, mais c'est nul à chier. On se croirait dans un épisode de High School Musical ou de Undo Stress ou de. Mais c'est non, c'est mauvais. C'est vraiment mal écrit quoi. C'est vraiment de la romance guimauvaise de merde. Ah, limite il se roulait pas dans un champ de fleurs quoi après. Parce qu'il y a plus de fleurs qui poussent quand même. Mais quand même, l'hiver est suffisamment rigoureux pour qu'il y ait plus de champ de fleurs. Mais s'il y en avait eu un. Tu vois, ils ont quand même réussi à trouver une cascade, alors qu'elle devrait être gelée. Et puis, est-ce que je vais parler du coup de ce vol à dos de dragon, là, que même les fans les plus hardcore de la série ont trouvé nul, parce que normalement, ça aurait dû être un événement incroyable. L'espèce de moment où Jon réalise que c'est un Targaryen, parce que le fait qu'il n'y a que les Targaryens qui soient capables de monter des dragons, c'est canon dans la série. Hein. Il n'y a pas que dans le livre que c'est canon. Ça a été dit déjà dans la série télé aussi. Donc normalement, rien que le fait que Jon tienne sur un dragon, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille que... Mais merde, j'ai du sang Targaryen dans les veines, dis donc. Mais non. Bon, peut-être que Jon n'est pas au courant que seuls les Targaryens peuvent monter des dragons, mais Daenerys, c'est sûr que oui, quoi. Et là, elle arrive et puis elle lui dit « Oh ben, monte sur le dragon, c'est facile. Tant qu'on n'est pas monté sur un dragon, on sait pas qu'on peut monter sur un dragon. » D'accord, ok, c'est un peu écrit à la rigolade pour éviter d'écrire des dialogues sérieux. Et Jon, il fait « Bah, qu'est-ce qui se passe si je tombe ?» Et Daenerys, il fait « Bah, tu meurs. » Ouais, super, génial, t'es sûr de vouloir prendre ce risque, meuf, parce que si Jon disparaît, t'as perdu ton seul allié au nord. Après tu dois gérer avec Sansa, Arya, tous les nordistes, enfin tous les mecs qui t'aiment pas, quoi. Tu veux vraiment te la jouer comme ça. Normalement, dans un épisode normal de Game of Thrones, où les personnages n'ont pas d'armure en scénarium, Jon serait mort. On est bien d'accord. Voilà, quand même. Et alors après, quand ils se font un bisou et qu'il y a... comment il s'appelle? C'est Régal, hein, c'est ça le dragon de Jon, celui qui l'a monté. T'as Régal qui le regarde en mode « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Alors on sait pas trop s'il est jaloux ou si il est en train de se dire « Meuf, c'est ta... mec, c'est ta tante, arrête de lui faire un bisou, putain !» Genre lui, il est au courant, il a vu l'arbre généalogique des Targaryens... Il y a Sam qui lui a dit, avant de le dire à Jon, enfin, c'est débile, il est capable de le sentir dans ses veines. Non, n'importe quoi, chut. Et puis surtout, si t'es choqué qu'il y ait des gens de la même famille qui s'embrassent, mais fais pas allégeance aux Targaryens, parce que dans les Targaryens, il n'y a que ça, c'est pas un arbre généalogique qu'ils ont, c'est un buisson. Il y a toutes les branches qui se recourvent qui se retournent sur elles-mêmes, là, où... Ils sont frères et sœurs et mariés et femmes en même temps. Je sais pas, enfin, je veux dire, chez les Targaryens, nique ta sœur, c'est pas une insulte, c'est un mode de vie. Donc, si ça te choque l'inceste, ben, prête allégeance à une autre famille que les Targaryens, quoi. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce regard du dragon, mis à part pour faire une blague, parce que, ouh, il y a les marcheurs blancs qui arrivent, mais on fait des blagues. Vous avez vu, hein, il y a Bran qui a dit, écoutez, c'est horrible, le roi de la nuit a fait un trou dans le mur, il a ressuscité un dragon, et maintenant le dragon combat pour eux, machin, et Daenerys, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, écoute, elle va draguer Jon, ils vont faire une petite balade comme ça, tout seul en amoureux, vers les cascades, pour se rouler des pelles en ayant des lignes de dialogue pourries. Mais je dis, mais quoi? Mais rien du tout. Pour Daenerys, ses dragons, c'est comme ses enfants. Le jour où elle apprend que celui de ses trois enfants qu'elle croyait mort est ressuscité et se bat du côté de la nuit, mais elle est censée soit pleurer, soit entrer dans une colère noire. Et là, elle s'en bat les couilles qu'elle a pas, quoi. C'est dingue. Elle n'en parlera jamais de tout l'épisode. Elle s'en fout. Incroyable. Là, vous voyez, en niveau de mauvaise écriture, là, on est quand même sur quelque chose de stratosphérique. Après, on a un monologue de Lyanna Mormont, parce que, les gens, ils avaient adoré le monologue de Lyanna Mormont dans la saison 6, alors on leur en a refait un dans la saison 7, et puis il fallait bien qu'on en refasse un dans la saison 8. Et plus elle en fait, moins ils sont pertinents, et t'as juste envie de lui coller une baffe, quoi. Je veux dire, ferme ta gueule, meuf, t'as 8 hommes avec toi, non? 8 ou 11, enfin un truc comme ça, des guerriers de l'île des ours, l'île aux ours.
Alors apparemment ils sont vraiment très très forts et un guerrier de l'île aux ours en vaut au moins je sais plus combien des autres îles. Mais enfin même comme ça, tu représentes quasiment personne quoi, et tout le monde te laisse leur marcher dessus, c'est n'importe quoi. Bon après ils engueulent John parce que il a prêté allégeance, enfin il a ployé le genou devant Daenerys. Nous on sait pertinemment, nous spectateurs de la série, que Jon n'avait pas besoin de ployer le genou. Daenerys lui a proposé son aide pour mettre, pour buter le roi de la nuit avant qu'il ne décide de faire d'elle sa reine. Il aurait pu complètement ne pas ployer le genou dans la saison précédente. Et il n'y aurait eu aucun des problèmes qu'on lui reproche aujourd'hui, dans le premier épisode de la saison 8. Il a décidé de ployer le genou devant Daenerys parce que probablement qu'il pensait surtout avec sa bite. Et du coup, maintenant, ça pose des problèmes à tout le monde. Et Sansa, d'ailleurs, a complètement su lire en Jon comme dans un livre ouvert. Et elle lui a dit, hein, mais du coup, tu t'es allié avec Daenerys pour une alliance militaire ou parce que tu pensais, t'as pensé avec ta bite? Et là, Jon n'ose pas répondre parce qu'il sait pertinemment que c'est la deuxième réponse. Jon n'avait pas besoin de faire de Daenerys la reine du Nord. Officiellement, depuis que toutes les familles du Nord ont couronné Jon roi du Nord, le Nord s'est séparé des sept couronnes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, il y a six couronnes, plus le Nord, qui est au Nord et qui ne dépend pas du trône de fer à Port-Réal. Le roi au Nord, c'est Jon. Mais Jon revient en disant « Hey les gars, voilà une armée, mais au fait, j'ai quand même ployé le genou, donc finalement, maintenant, on dépend à nouveau du trône de Port-Réal, et c'est même pas moi, votre roi, maintenant, c'est une inconnue, une étrangère que vous ne connaissez pas. Bah écoute, génial, c'est génial, t'arrives et tu dis « Bah, je vous ai vassalisé. » C'est un peu comme si... pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, il y avait les Américains qui étaient arrivés, qui avaient débarqué en Normandie, et que à ce moment-là, De Gaulle, il avait dit « Bon, bah écoutez, pour remercier les Américains de nous avoir débarrassé des Allemands, je déclare officiellement que nous sommes le 51e État des États-Unis. » Donc maintenant, notre président, c'est... il me semble que c'était Churchill à l'époque. Non, c'était pas Churchill. Churchill, c'est bien après. Puis Churchill, c'est au Royaume-Uni, c'est même pas un Américain. Je sais plus qui était le président des États-Unis à l'époque, mais enfin voilà. Carter, peut-être. Allez, on va dire, on s'en fout. Maintenant, le président des États-Unis, c'est notre président à nous. Bon, bah, les résistants qui auraient défendu l'idée de la France comme ça dans les maquis pendant des mois et des mois, ils l'auraient eu un petit peu en travers de la gorge quand même. Donc, surtout que c'était pas nécessaire. C'est ça le point le plus important. Ce n'était pas nécessaire. Et vous pouvez être certain que Bran le sait et qu'il l'a probablement dit à Sansa. Bon, on va parler de Tyrion peut-être maintenant un peu, juste pour que je puisse pleurer de ce qu'est devenu ce personnage. Tyrion est devenu un mongolien qui est juste là, qui est juste bon à faire des blagues. Quand il a un plan, son plan c'est de la merde. Hein, CF, le plan de la saison dernière qui consistait à aller au-delà du mur pour aller chercher un marchand. Mais quelle idée de con! Mais quel abruti, putain! Depuis qu'il a arrêté de boire, c'est vraiment devenu un incapable, quoi. Et encore, ça c'est ce qu'on pourrait se dire pour justifier un peu son comportement dans la série. La vraie raison, c'est que David Benioff et Daniel Weiss sont incapables d'écrire un personnage aussi complexe que Tyrion. C'est normal, c'est physiquement impossible d'écrire un personnage plus intelligent que l'auteur. C'est impossible pour un auteur d'écrire un personnage plus intelligent que lui-même. Donc ils sont pas capables d'écrire les dialogues de Tyrion. Ni ses sentiments, ni ses actions, enfin voilà, c'est normal. Mais ça fait chier quoi, parce que il est devenu, le mec est devenu inutile quoi. Maintenant, au début il disait je bois et je sais des trucs, maintenant, alors ça fait rire un peu les gens, mais cette phrase elle est nulle. Enfin, la première fois que je l'ai entendue dans la série, j'ai dit ouais, c'est vachement maladroit comme phrase.
Ça sent que ça a été écrit par Benioff et Weiss. Et maintenant, ils en font des mugs et des t-shirts et tout ça. Et c'est déprimant, quoi. Comment est-ce qu'on peut rigoler à une phrase pareille? C'est réduire le personnage de Tyrion vraiment à n'importe quoi, quoi. Maintenant, il ne boit plus. Hein, il est sobre depuis quelques saisons maintenant. Et il ne sait plus rien. Donc voilà, maintenant le personnage de Tyrion fait juste de la figuration, quoi. C'est juste parce que Dinklage il est bankable et que son personnage est probablement censé rester jusqu'à la fin de la série pour devenir main du roi, tu vois, un truc comme ça, ou main de la reine. Sansa, par exemple, au hasard. Bref. Donc voilà, maintenant Tyrion il fait des blagues sur des blagues sur la bite, parce que vous comprenez, c'est rigolo, lui il a une bite et Varys il a pas de bite. Alors c'est drôle. Beat. Même après avoir quitté Port-Réal, Tyrion aurait pu rester, enfin, aurait pu être un personnage vachement intéressant, mais en même temps c'est compliqué parce que Daenerys l'a nommé main de la reine. Donc voilà, Tyrion est censé être la main de Daenerys. Dans Game of Thrones, c'est le roi ou la reine qui ordonne et c'est la main qui exécute. Mais le problème, c'est que Daenerys c'est un personnage proactif. Donc quand elle prend une décision, c'est elle qui exécute, c'est elle qui fait l'action. Quand elle décide d'attaquer le convoi des Lannister, c'est elle qui attaque le convoi des Lannister, c'est pas Tyrion qui mène la charge. Quand elle décide, je sais pas moi, d'aller secourir, enfin qu'il faut aller secourir Jon Snow au-delà du mur, c'est elle qui monte sur le dragon et qui va secourir Jon Snow au-delà du mur, c'est pas Tyrion. Tyrion il reste là derrière, il fout rien. Donc finalement, vu que Tyrion il est censé donner des conseils stratégiques à un personnage qui fait déjà de la stratégie et qu'il est censé appliquer les décisions de la reine mais que la reine applique déjà elle-même les décisions qu'elle prend, et ben Tyrion ne sert plus à rien. Et c'est... Mais dégage putain, qu'est-ce que tu fous là? Quel hélicoptère de merde, là vous l'entendez forcément. Du coup, Tyrion ne sert plus à rien et c'est la tristesse totale. C'est du gâchis de personnages, du gâchis d'acteurs, du gâchis de temps. Faites mourir Tyrion si vous êtes incapable de l'écrire, s'il vous plaît, quoi. Ah merde, j'ai pas du tout parlé de ce qui se passait à Port-Réal pendant ce temps-là. Ouais, on s'en fout un peu, il y a la Compagnie Dorée. Euron donc ramène la Compagnie Dorée à Port-Réal. Cersei elle est trop contente, mais pas vraiment parce qu'en fait elle aurait bien aimé qu'il y ait des éléphants et là le mec de la Compagnie Dorée lui sort une excuse bidon pour lui dire qu'il n'y aura pas d'éléphants, quoi. J'avais un peu l'impression que cette scène là elle était surtout une discussion entre David Benioff et les fans du livre qui savent que dans la Compagnie Dorée il y a des éléphants, pour leur dire que oui, vous comprenez, on n'a pas le budget. Hein, pour répondre à la question de Sansa, ça mange quoi un dragon? La réponse, c'est le budget. Le putain de budget. C'est pour ça qu'on n'a pas vu Fantôme depuis 3 saisons. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y aura pas d'éléphant dans la Compagnie Dorée. Dommage. Donc du coup, Euron il est content, il peut faire quéquette avec Cersei, c'est bien. Cersei, elle le flatte, mais alors... d'une manière qui est tellement évidente, quoi, qu'il n'y a que parce que Euron est un bouffon qu'il ne se rend pas compte qu'il est manipulé, quoi. Cersei fait exactement ce qu'elle a conseillé à Sansa dans la saison 1 ou 2, je sais plus, où elle lui dit « Le truc que tu as entre les jambes, c'est ton arme la plus importante, n'hésite pas à t'en servir pour parvenir à tes fins. Bah » Là, c'est exactement ce qu'elle fait pour manipuler Euron pour qu'il reste un allié loyal à sa cause. C'est... Waouh! C'est évident, quoi, mais Euron est con, donc il l'a un peu dans le cul. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils font l'amour, Théon s'infiltre sur le bateau et pour libérer sa sœur dans une scène qui fait allez, 15 secondes à tout péter. En 15 secondes, il a buté tous les gardes et il a retrouvé sa sœur, qui lui file un coup de boule parce que c'est une bouffonne. Ah, tu t'es sauvé pour pas être capturé et probablement torturé et tué par mon frère, t'es vraiment qu'un sale couard. Bah non, c'est toi qui es une bouffonne. S'il s'était pas enfui, il aurait pas pu te sauver. Enfin, bon, bref. Yara est un personnage qui n'a aucun sens.
de toute façon, donc arrêtons d'essayer. Mais le plus triste, c'est quand même pour Théon, quoi. Ça fait des saisons et des saisons entières qu'on le voit se faire torturer par Ramsay, se faire réduire plus bas que terre, se faire transformer en larve, et la scène qui est censée montrer que ça y est, maintenant, il a repris confiance en la vie et tout, c'est une scène qui dure 15 secondes, quoi. Moi, je m'attendais à ce que ça lui prenne la saison entière d'aller sauver sa sœur, que ce soit vraiment un truc qui le mette en valeur et tout. Non, non, vous avez eu 3 saisons entières de bad pour 15 secondes de satisfaction. C'est bien, hein ? Vous êtes contents, hein ? C'est cool ! Non, c'est de la merde ! Maintenant, Théon va retourner se battre contre les morts à Winterfell, et Yara va se cacher sur les îles de fer, parce que, vous comprenez, c'est Théon le personnage courageux entre les deux, et c'est Yara la couarde. Non ? C'est pas l'inverse ? Oh bon, bah dommage, écoutez... C'est trop tard. Les scénaristes ont écrit la série comme ça, donc faudra vous y faire. Oh putain, il y a Bronn aussi, j'avais complètement oublié la scène de Bronn. Dans Game of Thrones, hein, y a des quotas quand même. À chaque saison, il faut une mort surprise, une scène de cul gratuite, et un plan avec les dragons qui survolent des gens qui sont complètement abasourdis par la créature. Donc là, on a eu les 3 dès l'épisode 1. Comme ça, c'est bien la série s'est séparée de son quota forcé de scènes de cul, parce que je pense que le reste de la série, enfin le reste de la saison va être un peu compliqué pour trouver l'occasion de lâcher une scène de cul comme ça en plein milieu de nulle part. Donc voilà, là elle était dans le premier épisode avec Bronn, Bronn qui va donc devoir choisir de buter quelqu'un avec son arbalète. Alors j'espère que c'est juste une excuse pour envoyer Bronn vers le nord avec une arme un peu imposante, quoi. Parce que sinon, je veux dire, les gens s'attendent vraiment à ce qu'on croit que Bronn est capable de tuer Jaime ou Tyrion. Tyrion, il sait pertinemment que... Bronn sait pertinemment que Tyrion doublera tout ce que la reine pourrait lui proposer. Donc, comme c'est un mercenaire, il a aucune raison de refuser. Puis même au-delà de ça, il l'aime bien. Bronn, c'est un peu ça, son arc narratif. Hein. Il est passé de mercenaire à mec qui est quand même un peu investi dans l'histoire. Et Jaime, la saison précédente, il s'est jeté devant un dragon en train de cracher du feu pour sauver Jaime. Je pense que jamais il ne le butera. Ce n'est pas possible. Arrêtez vos conneries. Ou alors, pour nous surprendre, David Benioff et Daniel Weiss ont écrit un scénario dans lequel Bronn bute Jaime. Parce qu'évidemment, on s'y attendrait pas, quoi. Oui, mais le fait qu'on s'y attende pas n'est pas suffisant pour qu'on soit satisfait. Il faut aussi que ça ait du sens, et ça n'a aucun sens. Donc, ne faites pas ça. En plus, qu'un personnage aussi important que Jaime meure des mains d'un personnage aussi secondaire, voire tertiaire comme Bronn, ce serait vraiment nul, quoi. Donc, j'espère que c'est vraiment une excuse pour envoyer Bronn se battre avec les vivants au nord, quoi. Avec une arme un peu importante. Genre, après, t'as... comment il s'appelle, le forgeron Gendry, qui lui fait des flèches en vert dragon pour mettre dans son arbalète, et comme ça il est capable de buter des marcheurs blancs. Là oui, là d'accord, là très bien. Mais si c'est pour buter, si c'est juste pour l'envoyer au nord et puis qu'il mette Tyrion en joue et puis qu'on voit le doute dans son œil et puis que soudain il range son arbalète et qu'il retourne au sud, non, c'est nul. Et j'ai plus de beaucoup de batterie, donc il faut qu'on abrège. On va donc parler de la fameuse scène avec Sam, qui apprend du coup la mort de ses parents, parce que, vous comprenez, Sam, il était à Vieilleville, et il a réussi à se rendre à pied jusqu'à Winterfell, donc il a traversé l'intégralité du continent de Westeros, en quittant Vieilleville le même jour que celui où son père est mort, et il n'a entendu la mort de son père nulle part pendant le trajet. Voilà, il est pas au courant, il savait pas. Donc du coup, c'est Daenerys qui lui apprend que c'est elle qui a buté son père et son frère. Du coup, il chiale quand même, parce que malgré tous les différends qu'il avait avec les autres membres de sa famille, ben ça restait quand même sa famille, quoi.
Excellent jeu d'acteur de John Bradley West, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle l'acteur qui fait Sam. Avec quand même cette fâcheuse tendance de David Benioff et Daniel Weiss de filmer les acteurs en gros plan, juste leur visage, et que voilà, les acteurs sont obligés de tout faire avec leur visage. C'est intéressant, je veux dire. C'est beau comme mise en scène. Le seul problème, c'est qu'ils font ça tout le temps. C'est le seul truc de mise en scène qu'ils sont capables de faire. Essayez de vous souvenir d'une autre scène de discussion dans laquelle il y aurait de la mise en scène. Eh ben, il n'y en a pas. Enfin, il y aurait une autre méthode de mise en scène qui aurait été utilisée. Il n'y en a pas. C'est littéralement le seul truc qu'ils savent faire. Filmer en gros plan des acteurs qui font la moue pour ensuite dire « Waouh, regardez, notre jeu d'acteur, il est trop bien !» Et puis essayer de grappiller un Emmy Award. Sauf que, ils en ont plus. Ça fait des années qu'ils n'ont pas reçu un seul Emmy Award parce que le jury, il n'est pas dupe. Il voit très bien que les acteurs, ils font ça sans qu'il y ait vraiment de contexte autour. Je ne sais pas si vous savez, le premier épisode de la première saison, le pilote donc, il y a une première version qui a été tournée et c'était tellement nul qu'ils en ont retourné une deuxième version, ils ont viré la moitié du casting, ils l'ont remplacé, machin, tout ça. Et donc la deuxième version, c'est celle qu'on connaît. C'est l'épisode 1 de la saison 1. Et le script de l'épisode foireux a leaké sur internet, enfin en tout cas quelques parties. Et dedans, on voit que le truc est rempli à ras-bord de didascalies. Les didascalies, si vous avez fait du théâtre ou si vous avez suivi en cours de français, normalement, hein, c'est les indications qu'on met à côté du nom du personnage pour donner un peu plus de, enfin pour orienter un peu le jeu d'acteur. Elles sont pas censées être lues à voix haute à l'écran, tout ça. Et mais alors les didascalies font 8 lignes. Elles sont pas censées faire 8 ou 10 lignes. Ce que David Benioff y fait, c'est qu'il écrit un livre en fait. Il écrit pas un script avec des dialogues. Parce que, bon, une fois que l'acteur il a le truc dans ses mains, qu'est-ce qu'il est censé faire avec ces didascalies-là, quoi ? Des trucs, notamment, par exemple, c'était pas dit à voix haute que Jamie et Cersei étaient frères et sœurs dans le premier épisode. Alors vous allez me dire, oui, on s'en fout un peu, les gens ils peuvent l'apprendre dans les épisodes suivants, c'est pas si grave. Ben non, parce qu'à la fin de l'épisode 1, l'épisode se finit en ayant Bran qui se rend compte que Jamie et Cersei, ils font l'amour ensemble. Donc pour que ce soit choquant, il faut que tu saches que Jamie et Cersei sont frères et sœurs. Que ça justifie qu'après Jamie pousse Bran du toit et tout. Mais non! Là, c'était pas dit à voix haute, c'était écrit dans les didascalies. Donc, sous-entendu, Jamie et Cersei étaient censés, avec leur jeu d'acteur, faire comprendre aux spectateurs qu'ils étaient frères et sœurs. C'est un peu du foutage de gueule, hein? On n'est pas censé arriver à ce niveau-là dans les didascalies. Ce qui est une preuve supplémentaire de l'incompétence de David Benioff, mais enfin, normalement, vous devriez en avoir assez aujourd'hui, hein. Donc là, c'est pareil, à mon avis, cette scène-là, il y a 8 lignes de didascalie dans lesquelles on a demandé à John Bradley West de faire passer dans son regard absolument toutes les émotions possibles et imaginables à la suite. Et il a réussi, parce que c'est un très bon acteur, et bravo à lui. Mais si les showrunners savaient faire un peu plus de mise en scène, ils auraient peut-être pas eu besoin d'en arriver à cette extrémité-là, quoi. Mais la scène est très bien jouée. Après Sam, il va voir John. Et alors là, il y a plusieurs trucs qui me dérangent. Le premier, c'est que une fois que Sam a dit « Écoute, Daenerys, elle a buté mon père et mon frère, elle les a brûlés sur place et tout », John essaye de trouver des raisons de pardonner à Daenerys et tout. En fait, il est fou amoureux d'elle, quoi. Parce que normalement, ce genre de truc, ça aurait dû le choquer aussi. Mais là, il s'en fout. Je trouve que c'est un peu incompatible avec sa personnalité. Et le pire reste à venir, parce que t'as quand même après Sam qui lui dit « Au fait, j'ai un truc important à t'annoncer. Ta mère, c'est pas une prostituée, c'est Lyanna Stark, donc la sœur de Ned. Et ton père, du coup, c'est pas Ned Stark. » Il a quand même laissé un petit blanc de 5 secondes le temps que John se dise « Attends, mais je suis un fils d'inceste alors ou
Il a quand même, voilà, et il dit quand même, du coup, ton père, c'est pas Ned Stark, c'est Rhaegar Targaryen. C'est pour ça qu'il chevauche Rhaegal, le dragon. Vous avez compris. Tu es, du coup, un Targaryen et un Stark à la fois. Tu as du sang de feu et du sang de glace. Et puis, c'est pour ça que tu peux chevaucher les dragons. Et du coup, tu es l'héritier légitime du trône de fer. Et là, au lieu de se dire « Putain, j'ai baisé ma tante », le premier réflexe qu'il a, c'est « Mais moi, j'en veux pas du trône. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je serai un bon roi ? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je laisse Daenerys sur le trône, machin, tout ça ?» Mais à aucun moment, il se dit « Merde, j'ai une relation incestueuse avec Daenerys. » Alors que nous, c'était un peu surtout ça qui nous intéressait, quoi. On le sait qu'il veut pas être roi, John, mais il y a de gros risques qu'il finisse roi quand même. J'espère que non, hein. J'espère qu'ils finiront avec un truc un peu moins évident que John sur le trône avec Daenerys à ses côtés ou morte. Ou l'inverse, hein, d'ailleurs. Daenerys sur le trône avec John à ses côtés ou mort, hein. Ce serait tout aussi cliché. S'il vous plaît, mettez un autre personnage sur le trône à la fin, quoi. Mettez Sansa. Elle mérite. Et alors, sur Reddit, j'ai vu les pros Daenerys qui étaient là, genre « Ouais, Sam, en fait, c'est un connard une fois que Daenerys lui a dit qu'elle avait buté ses parents, eh ben tout de suite, il va cafeter à Jon que, en fait, c'est lui le véritable héritier du trône, tout ça pour que Daenerys, elle ait pas le trône. Putain, j'aimais bien Sam avant, mais maintenant, je le déteste, parce qu'à cause de lui, si ça se trouve, Daenerys, elle finira pas sur le trône à la fin. » C'est ridicule comme raisonnement, comme réaction. Déjà, bon, c'est très puéril, mais surtout... les gars, Sam avait toujours eu comme intention de dire à Jon qu'il était l'héritier légitime du trône de fer. Hein. Ils se sont mis d'accord avec Bran à la fin de la saison précédente. Il n'a pas attendu que Daenerys lui révèle la mort de ses parents. C'est même Bran qui lui dit « Allez, vas-y, maintenant c'est le moment, va dire à Jon que va apprendre la véritable identité de ses parents à Jon ». Mais non, les pros Daenerys sont vraiment bizarres. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je ne sais pas. Et après, il y a toute la partie au nord, donc où on nous montre que Beric et Tormund ne sont pas morts. Chose qu'on savait déjà, puisqu'ils étaient dans la bande-annonce. Donc on savait qu'ils n'étaient pas morts à la fin de la saison précédente. Et là, ils arrivent à troller les confins et ils voient Ned Humble qui est mort sur le mur de je sais pas, des cryptes. Ils sont probablement sous à troller les confins. Mais là, pour le coup, l'ambiance était vachement bien. Je trouve qu'en termes de rythme, c'était vachement... Ah non, si, il y a quand même une blague nulle, genre... Ah, attention, il a les yeux bleus. Non, mais j'ai toujours eu les yeux bleus. Ah, super, dans une séquence pleine de tension comme ça, tu casses le truc avec une blague marvelienne de merde, là. Génial. C'est super, vous êtes prêts à aller écrire les prochains films Star Wars, les gars, c'est bon. Parce que, au cas où vous ne le sauriez pas, David Benioff et Daniel Weiss veulent écrire les prochains films Star Wars. Donc là, c'est nickel, ils ont le niveau d'écriture pour. Ils vont nous écrire un truc digne de Star Wars 7 ou 8, ou potentiellement 9. C'est génial. Ne changez rien. Ça va être médiocre au possible. Et après, on a Jamie qui arrive, et ça, je ne veux pas en parler, parce que c'est probablement le cœur de l'épisode 2. Donc, en fait, je vais plutôt aller regarder l'épisode 2, plutôt que de commenter ça, puisque la scène dure 15 secondes, on a juste le regard de Jamie, qui veut tout dire. Il revoit Bran, qu'il a jeté par la fenêtre dans le premier épisode de la première saison. La boucle est bouclée. Du coup, je vais la boucler moi aussi et je vais aller regarder l'épisode 2. Non, je vais aller monter cette vidéo, la mettre en ligne et après regarder l'épisode 2. Enfin bon. Je vais essayer de pas mettre en ligne mon avis sur l'épisode 2 aussi tard. Hein, lundi, c'est tard. Je vais essayer de faire ça dans la semaine. Je sais pas. Mardi ou mercredi, on verra. Là, j'ai plus de voix, donc j'enregistrerai probablement pas ce soir. Mais on verra. Je vais essayer de sortir les vidéos en temps et en heure maintenant. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez reprendre le cours normal de votre vie.
J'espère que vous avez fait autre chose que regarder l'écran parce qu'il n'y avait rien à faire. Hein. Vous jouez à votre jeu, je sais pas à quel jeu vous jouez en parallèle, mais j'espère que vous êtes en train de gagner. Dans quelques jours, du coup, pour mon avis, sur l'épisode 2. Et puis ensuite, à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Allez, bye!